Une énigme militaire vieille de 2000 ans. Après la mort de l'empereur Gaozu, maître Liu Xuan emmène ses disciples sur les lieux du fameux banquet de Hongmen, où Gaozu prit l'ascendant sur Xian Yu. Gaozu était un empereur extrêmement respecté, qui jouissait d'une très grande popularité. Il avait su s'entourer des conseillers les plus avisés. Et son armée comptait certains des guerriers les plus chevronnés du pays. Pourquoi n'y a-t-il aucune inscription sur ces tablettes funéraires? C'est étrange, vous ne trouvez pas? Il était en compétition avec Xiang Yu, un autre seigneur de guerre très puissant. Gaozu et ses conseillers mirent au point un plan ingénieux qui lui permit d'acculer Xiang Yu et ses troupes. Il positionna son armée, qui n'avait pas d'égal dans le monde, dans la ville de Xianyang. Puis, en attaquant Xiang Yu sur tous les fronts, il réduisit son armée à néant et poussa son adversaire à mettre fin à ses jours au bord de la rivière Wu. Ensuite... Maître, à qui sont ces tablettes funéraires? Comment oses-tu m'interrompre pour me poser une question aussi futile? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il n'a pas honte. Il est temps de passer à la cérémonie du sacrifice. Les offrandes sont-elles prêtes? Oui, maître. Oui, maître. Maître, à quel endroit était assis l'empereur Gaozu? Si tu poses cette question, cela prouve que tu n'écoutes pas en classe. Le monarque est toujours assis face au sud. Et à cette époque, Xiang Yu se disait monarque. Il devait donc être assis en direction du sud. Par conséquent, Gaozu était obligé de lui faire face, puisqu'il lui était impossible de s'asseoir à ses côtés. Viens te prosterner à présent. Dépêche-toi. Votre vénérable majesté Gaozu, nous sommes venus pour vous saluer. Que se passe-t-il? C'est un fantôme? Veuillez m'excuser de vous interrompre. Je vois que vous êtes en train de rendre hommage à l'empereur Gaozu. Mais vous ne vous êtes pas prosterné dans la bonne direction. C'est pourquoi je me permets d'intervenir. Vous n'êtes pas un fantôme? Et donc, vous n'êtes pas d'accord pour dire que Gaozu était assis face au nord? Cette tablette funéraire est celle de Gaozu. Mais alors, dans ce cas, à qui appartiennent les tablettes derrière celles de l'empereur? Ce sont les personnes les plus importantes à ses yeux. Alors pourquoi n'y a-t-il aucun nom? C'est vrai? Pourquoi? L'empereur Gaozu aurait lui-même gravé leur nom sur ses tablettes, s'il en avait eu l'occasion. Et à qui est celle qui est en face? Cette tablette funéraire n'est autre que celle de Xian Yu. Pourquoi Gaozu aurait-il fait faire une tablette en l'honneur de son ennemi juré? Ça n'a aucun sens. Tout à fait. Pour comprendre ce qui unit ces deux hommes, il faut remonter au jour de leur rencontre.
jour-là, l'empereur Qin devait faire une apparition publique. Comme il avait acquis l'indépendance par la force, la population commençait à s'agiter et les gardes impériaux étaient particulièrement vigilants. Xian Yu et ses hommes s'étaient déguisés en partisans de l'empereur pour tenter de l'assassiner. Maintenant. Seigneur. J'y songe-t-il. Nous n'avons pas le temps, il faut agir. Que font-ils ? Mais Liu Bang et Xian Yu décidèrent de s'allier pour former une armée d'insurrection. Et si le roi He Hai n'avait pas semé la discorde entre eux, ils ne seraient jamais devenus ennemis. Mais le règne du roi He Hai était provisoire. Alors comment aurait-il pu manipuler Liu Bang et Xian Yu? Le roi He Hai était à la tête de l'armée d'insurrection et savait que Liu Bang et Xian Yu avaient de grandes ambitions. Une fois l'armée de Qin vaincue, ils essaieraient sûrement de l'éliminer. Il est alors allé demander conseil aux déesses de la guerre. Ô déesses, apportez-moi vos lumières pour sauver mon pays. Pour le moment, Liu Bang et Xian Yu unissent leurs forces pour affronter Qin. Ils sont à la tête d'une puissante armée et bientôt ils convoiteront tous les deux le sceau impérial. Alors voici un stratagème pour tirer avantage de la situation. Vous publierez un décret stipulant que le premier à prendre la ville de Xianyang deviendra le roi de Qin. Ils se battront l'un contre l'autre pour accéder au trône. Sans le moindre effort, vous les affaiblirez tous les deux en même temps. Trois jours plus tard, Xian Yu et Liu Bang poursuivent l'armée de Qin. Le général Xiang Fu est arrivé! Je viens d'apprendre que Jin Hu est en route avec une armée de 100 000 hommes pour leur prêter main forte. Ils seront sur place d'ici 3 heures. Si nous attendons plus longtemps, nous ne pourrons pas les vaincre. Nous devons attaquer avant qu'ils arrivent. Le général Liu Bang ne va pas tarder. Long Ju, transmets-lui mes ordres. Des milliers de soldats. Pourquoi menons-nous l'offensive? Fan Kuai, nous sommes alliés et nous nous battons pour la même cause. D'accord. Mais pourquoi devons-nous obéir à Xian Yu? Parce que c'est lui qui commande notre armée. Faisons-lui confiance et attaquons, mais rien ne t'oblige à venir si tu as peur. Seigneur, je n'ai peur de rien, mais ce n'est pas le cas de Xiao Ying. Hey. Il faut dire que tu as failli mourir très souvent, Fan Kuai. Mes frères, quelle est la devise de notre grande armée? Et où irons-nous à la fin de la guerre? Nous rentrerons chez nous! Et que ferons-nous quand nous serons chez nous? Nous traquerons la victoire! Nous traquerons la victoire! Nous traquerons la victoire! Tirez!
maintenant. Bien. Encerclez-les! Liu Bang ne s'en sortira jamais. Pourquoi Clan Yu n'entend pas les renforts? C'est à croire qu'il veut nous voir morts! Il faut agir vite. J'attends encore quelqu'un. Je respecte Xiang Yu, mais nous ne mourrons pas pour lui. Va-t-on en retraite! Maintenant! Maintenant! Voilà enfin l'homme que j'attendais. Allons voir à l'arrière! À l'attaque! C'était un piège! C'est un énorme piège! Regardez, général! As-tu vu le décret du roi He Ai? Le premier à prendre la ville de Xianyang deviendra roi de Qin. Oui, j'ai vu. Zhang Han commande ce qu'il reste de l'armée de Qin. Il est en route pour aller défendre Xianyang. J'ai décidé d'envoyer nos troupes pour l'en empêcher. Une fois que nous l'aurons vaincu, Xianyang ne pourra plus nous échapper. Nous pourrons alors nous emparer du sceau impérial sans difficulté. Nous affronterons une armée puissante. Cette bataille sera périlleuse. Alors j'ai besoin que quelqu'un emmène Yuji en lieu sûr. Et à qui penses-tu? Toi. Peng, 2 ans plus tôt. Madame.
Yuji, on est en retard. Allons-y, ils nous attendent. Vous voulez autre chose? Non, merci, ça ira. Arrêtez! Monsieur! Vous êtes blessé? Vous osez chanter une chanson de la province de Shu devant des officiers de Qin? Monsieur! Yuji! Monsieur, Shu a été vaincu par Qin. Donc le peuple de Shu est devenu peuple de Qin. En quoi est-ce différent pour une chanson? Ah, Yuji! Vous chantez merveilleusement bien. Je viens aussi de Shu. Donc vous prétendez être une citoyenne de Qin. Je vous ordonne d'enlever tous vos vêtements. Alors tout le monde saura si vous êtes de Qin ou de Shu. Prouvez-nous que vous n'êtes pas restée une citoyenne de Shu dans votre cœur. Si vous n'enlevez pas vos vêtements, je vais tuer cet homme sur le champ. Déshabillez-vous! Déshabillez-vous! Tout de suite! C'est un ordre! Pourquoi vous arrêtez-vous? Continuez! Pourquoi obéissez-vous? Je ne veux pas qu'il vous fasse de mal. Est-ce que je vous plais? Continuez à vous déshabiller! Je n'hésiterai pas à le tuer! Me ferez-vous l'honneur d'être mienne? Oui. Je vous aurais prévenu! Tenez. Xianyu, c'est moi. Il est temps de devenir frère d'armes, non? Alors protège ta belle-sœur. Qu'il y a? Pourquoi ce silence? Dites-moi ce qui ne va pas. Seigneur, Xianyu vous a demandé de ramener Yuji chez elle, mais il veut vous empêcher de prendre Xianyang. Il est à la tête de notre armée. Donc il doit devenir le roi de Qin. Sauf votre respect, il ne mérite pas d'être roi. Seigneur, en ces temps de grands changements, il faut savoir faire un choix.
Le roi de Qin sera celui qui prendra Xianyang en premier. Voilà les ordres du roi Huai de Shou. C'est une occasion unique. Xiaohe, comment peux-tu dire cela? Je croyais que tu me connaissais. Seigneur, je vous connais bien. Que sais-tu de moi? Vous... vous avez changé. Quand je suis parti de chez moi pour vous suivre, je vous avais dit que je ne douterais jamais de vous. Vous aviez promis de renverser l'empereur Qin et de sortir le peuple de la misère. Hé, hey, qu'est-ce que ça fait? Si vous avez oublié, alors tuez-moi. Seigneur, vous vous sous-estimez. Vous êtes reconnu pour votre bienveillance. Si Xianyu prend le pouvoir et que le peuple souffre sous son règne, resterez-vous les bras croisés sans rien faire? Vos soldats vous suivent depuis des années. Ils espèrent devenir des personnes influentes pour que leur nom reste dans l'histoire. S'ils apprennent que vous ne voulez plus accéder au trône, les généraux et les soldats perdront leur motivation et nos efforts seront gâchés. Vous avez raison. Tout est ma faute. Je prendrai Xianyang. Je vais choisir mes combats. Je ne me battrai plus qu'au nom de la justice. J'apporterai la paix au peuple. Oui, bien parlé. Je préfère ça. Yuji, savez-vous monter à cheval? À cheval? Pourquoi allons-nous par là? Cette route est plus sûre. Savez-vous pourquoi Xiangyu m'a demandé de vous ramener chez vous? Il veut que je sois en sécurité. Vous savez, je ne pourrai jamais me résigner à quitter la femme que j'aime. Parce que je sais que je serai toujours capable de prendre soin d'elle. Pouvoir faire confiance est un luxe. Mais les choses changent. Et malheureusement, on ne peut rien y faire. Yuji? Qu'est-ce que c'est? Relâchez-la tout de suite. C'est Liu Bang. Prenez ce que vous voulez. Les chevaux, dehors, vous pouvez les prendre. Mais relâchez-la. Yeah. Ça, c'est pour les soldats de Qin que vous avez tués! Vite, allons-y! Mon lutte! C'est trop tard. Vite, relève-toi! Nous y sommes presque! Allez, encore un effort! D'emmener Yuji en lieu sûr. Liu Bang et ses hommes viennent de prendre Xianyang. Il n'a que quelques milliers d'hommes. C'est impossible.
Majesté. Vous ne comprenez sans doute pas les raisons qui me poussent à vous demander de vous rendre aujourd'hui. C'est tout simplement parce que j'ai beaucoup de respect à votre égard. J'admire votre amour du peuple et votre volonté de faire des réformes, malgré votre jeune âge. Malheureusement, tout est terminé. Notre armée menée par Xiang Yu est si puissante qu'absolument rien ne peut nous résister. Nous avons conquis une grande partie du pays. Xianyang et tout ce qui reste de l'Empire Qin. Vous jetez vos dernières forces dans la bataille pour protéger cette ville. Êtes-vous certain de vouloir continuer dans cette voie? Traître! Tu insinues que notre empereur est un lâche. Les renforts vont arriver. Garde! Abattez ces misérables traîtres! Arrêtez, général! Général Yin, si les renforts sont en route, alors pourquoi êtes-vous en train de nous parler? Parce qu'ils ont été vaincus par Xiang Yu et son armée. Ne me dites pas que vous osez cacher une telle information à votre empereur. Majesté, ma mission est accomplie. Xiang Yu sera bientôt là. Je dois aller à sa rencontre. Attendez, général Liu Bang. Où est Yuji? Elle est avec Liu Bang. Longju, contacte immédiatement Yafu. Dis-lui de venir me rejoindre sur la route de Xianyang pour m'aider à reprendre la ville. Oui. Seigneur. Liu Bang. Liu Bang, veux-tu devenir empereur? Qui ne le voudrait pas? Tu crois que je pourrais? Mesdames et messieurs, approchez! Attirez un génie à l'œuvre! Venez parier! Nous avons 10 plateaux de jeux de Go! Et mon maître va jouer contre 10 personnes en même temps! Et si nous perdons, vous gagnerez 10 fois votre mise de départ! Y a-t-il des gens courageux ici? Venez vite placer mon pari! Je peux te dire que le plus grand joueur de Go, c'est Fan Zheng, le conseiller de Xiang Yu. Mais cet homme est aussi très doué. Il joue 10 parties à la fois, c'est incroyable. Ne ratez pas cette occasion en or, il est encore temps de parier! Mesdames et messieurs, comme il est trop facile de tous vous battre un par un, je vais compliquer les choses. Je vais battre tout le monde exactement au même moment. Qu'en pensez-vous? Les 5 premières parties, je joue en 8-9. Bien, maître. Oh. Non! C'est perdu. Hein? Pas de chance. Dommage. Merci. C'est pas possible. Bien joué. Comment on a pu perdre? Il est trop fort. Les autres parties, je vais jouer en 7-8. Quoi? C'est incroyable! Ce qu'on peut faire, ça sert à rien. Nous avons gagné beaucoup d'argent. Monsieur, je m'appelle Xiao Wei. Puis-je connaître votre nom? C'est un honneur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis Zhang Yang. Monsieur Zhang, vous descendez de la famille Han. C'est un grand honneur de vous avoir comme conseiller à mes côtés. Je ne sais comment vous remercier.
Ai-je dit que je serai votre conseiller? Pardonnez-moi, je suis peut-être allé un peu vite. Je n'ai pas l'habitude de traiter avec des intellectuels de votre rang. Veuillez m'en excuser. Si vous voulez mon aide, vous devez d'abord me faire part de vos ambitions. Ma seule et unique motivation est d'aider le peuple de ce pays. J'ai l'impression que vous me prenez pour un enfant de 3 ans. La prise de Xianyang n'aide aucunement le peuple. Je dirais même que c'est l'inverse. Arrêtez! Le décret stipulant que le premier à prendre Xianyang sera le roi de Qin n'est qu'un stratagème du roi Ehai pour profiter de votre querelle avec Xian Yu. À cause de vous, la population de Xianyang court un grand danger. Xian Yu oserait violer le décret. Le roi Ehai est une marionnette appartenant à la famille Xiang. Mais les 8 vassaux sont censés obéir au roi Wai. Ils n'oseront pas trahir Xian Yu au nom du général Liu. Je peux fermer les portes de la ville. Nous ne pouvons pas laisser Xian Yu la reprendre. Général, affronter une armée de 400 000 hommes revient à jeter des œufs sur un rocher. Je ne me bats qu'au nom de la justice et de la protection du peuple. Je vous en prie, dites-moi comment sauver la population de Xianyang. Dans ce cas, j'ai une solution à vous proposer. Mais je ne suis pas certain qu'elle vous conviendra pour autant. Croyez que je n'hésiterai pas à faire tout ce que vous me direz pour sauver la population. Vous devez quitter la ville sur le champ. Si vous acceptez de rendre la ville à Xiang Yu immédiatement, il épargnera peut-être la vie des habitants. Vous êtes à la bonne de Xiang Yu ! Arrête ! Mes excuses. Écoutez, mes frères. Vous ne pensez pas que le plan de Monsieur Zhang est valable? Prouvez-moi qu'il se trompe, et je l'abattrai sans hésitation. Alors, dites-moi, est-ce que quelqu'un a une autre idée? Xiaohe, toi et Fan Kuai, demain, vous irez rendre le sceau à Xiang Yu. Et je quitterai Xianyang. Seigneur, ne faites pas ça! Ma décision est prise. Vous n'avez pas volé votre réputation. Vous possédez la bonté des sages et la générosité des empereurs. Ce que je viens de dire n'était qu'un test. La vie d'innocent est en jeu. Alors, je n'avais pas le choix. Xiang Yu ne vous a pas envoyé? Xiang Yu va remplacer une tyrannie par une autre. S'il devient empereur, toute la population continuera à souffrir. Xiang Yu est sur le point d'attaquer. Il nous faut une stratégie de défense. Commencez par mettre les trésors à l'abri. Ensuite, faites publier une lettre officielle stipulant que votre occupation est temporaire et que Xiang Yu s'apprête à entrer dans la ville et à massacrer la population. Xiang Yu va massacrer la population! Comment ça, massacrer? Ça veut dire que Xiang Yu veut tous nous tuer! Il faut faire quelque chose! Nous devons protéger la ville! Ensuite, nous rassemblerons la population avec les soldats pour qu'ils puissent protéger la ville. La population? C'est seulement pour gagner du temps. Le conseiller de Xiang Yu maîtrise l'art de la guerre. S'il voit que la population protège la ville, il empêchera Xiang Yu d'attaquer. J'ai un ami dans le camp de Xiang Yu qui pourra lui transmettre des informations. J'ai également 6 valeureux guerriers qui travaillent pour moi. Seigneur, puis-je vous les présenter?
Bien faux. Xiang Yu, je viens d'apprendre que Liu Bang a demandé à la population d'aider l'armée à protéger Xiangyang. Si nous attaquons la ville, le peuple le soutiendra pour l'avoir défendu contre l'armée de Shu. Mais si nous ne faisons rien, il aura l'avantage géographique de Xiangyang. C'est une manœuvre très habile. Je suis quasiment certain que cette stratégie est signée Zhang Liang. Dans sa déclaration officielle, Liu Bang a également ordonné que les trésors de Qin soient distribués à la population dans leur totalité. Je ne vois qu'une seule explication à cette décision. Cela veut dire qu'il a de grandes ambitions. Il veut devenir empereur. Xiang Yu, vous êtes devenu sage. Liu Bang prétend contrôler la ville provisoirement. Cela nous donne une excellente occasion de lui tendre un piège. Nous l'inviterons à Xianyang, à l'occasion d'un banquet. Nous allons lui dire que nous voulons qu'il nous remette le sceau de Qin, ce qui nous donnera une chance de pouvoir le tuer. C'est un très bon subterfuge. Comment allons-nous expliquer la mort de Liu Bang au roi Lai? Je n'avais pas pensé à cela. Nous pourrions envoyer quelqu'un pour assassiner le roi Huai. Ensuite, nous pourrons dire que c'est Liu Bang qui veut tuer le roi pour devenir empereur. Ainsi, il nous sera très facile de justifier le meurtre de Liu Bang en prétendant que nous voulions venger le roi. Vous y aviez pensé, finalement. Tout ça me fait penser qu'on y trouve du délicieux poisson braisé. Je devrais en profiter pour en manger avant de perdre toutes mes dents. Ça, c'est un excellent plan. On est attaqué! Protégez Sa Majesté! Fan Kuai, Xiao Ying. Vous êtes de bons guerriers. Arrêtez! Qui est Zhang Liang? Fan Zheng veut déployer l'armée. Et en seulement 3 jours, il contrôlera toutes les issues de Xianyang. Xiang Yu va organiser une rencontre avec vous. Le lieu est tenu secret pour que vous ne puissiez pas vous préparer. Il est clair qu'il veut tenter de vous tuer le jour de son arrivée à Xianyang. Monsieur Liang, votre ami vous retrouvera comme convenu. Il sera en mesure de vous révéler le lieu de la rencontre avec Zhang Yu.
Le roi Huai va bientôt participer aux répétitions de la cérémonie d'accès au trône. Fan Zheng a déjà envoyé quelqu'un sur place pour l'assassiner, avant de rejeter la faute sur le général Liu Bang. Dans ce cas, s'ils veulent assassiner le roi, il faut que quelqu'un aille le secourir, et ensuite demander un décret pour protéger nos vies. Han Xin, c'est vous qui connaissez le mieux le plan de Xian Yu. Je pense donc que c'est vous qui devriez vous charger de cette mission. J'étais au service de Xiang Yu, mais il ne reconnaît pas ma valeur. Alors j'accepte de travailler pour vous. J'espère que vous saurez me remercier. Oui, bien évidemment. Pouvez-vous me le promettre ? Quoi ? Insolent ! Le sort de beaucoup de gens dépend de ce qui sera dit pendant cette rencontre entre Xian Yu et moi. Mais le résultat final est entre les mains de trois personnes. D'abord, mon conseiller Zhang Liang. Ensuite, le conseiller de Xian Yu, Fan Zheng. Et pour terminer, vous-même, général Han. Si j'en venais à vous trahir, qui pourrait encore me faire confiance ? Ni mes généraux, ni mes soldats. Je n'aurai plus personne, général Han. Alors dites-moi, ma parole vous suffit-elle ? Notre armée est puissante. Pourquoi n'attaquons-nous pas tout de suite ? Xian Yu, je vous l'ai répété tant de fois. Vous devez voir au-delà de ce qui est devant vos yeux. C'est bien le contrôle de la ville que vous devez gagner, mais aussi le soutien du peuple. Celui que vous devez vaincre n'est pas seulement Liu Bang. Vous devez aussi vaincre vos peurs et vos doutes. Yafu. Vous êtes à mes côtés depuis toujours. Vous m'aidez à surmonter mes épreuves et à prendre les bonnes décisions. Tant que vous êtes là, je ne suis pas inquiet. J'ai l'impression de vous avoir trop couvé pendant toutes ces années. Si c'est le cas, il est peut-être temps que je prenne ma retraite pour vous laisser voler de vos propres ailes. Le général Liu Bang n'a pas dit pourquoi il voulait me voir. Non, madame. Il nous a simplement demandé d'aller vous chercher. Quel dommage. Pourquoi dites-vous cela ? Ces instruments sont d'une grande qualité, mais aucun d'eux ne remplacera mon ancien luth. Viens, monsieur. Vas-y, toi. Doucement. Mais c'est mon luth. Comment l'avez-vous retrouvé ? Merci. Le seigneur Xiang va venir à Xianyang ? Je vais le rencontrer.
Savez-vous ce que vous risquez en allant à ce banquet ? Xiangbo, je te remercie de nous venir en aide. Tu n'as pas besoin de me remercier, mon ami. Tout ce que je souhaite, c'est qu'à la fin de cette guerre, Xiang Yu et Liu Bang soient tous les deux vivants. Parce que s'ils travaillent ensemble, ils pourront apporter la paix à notre peuple. Saurais-tu me dire où la rencontre de demain doit avoir lieu? Ce ne sera pas loin d'ici, au palais de Hongmen. Seigneur, j'en vois deux guerriers cachés des armes au palais de Hongmen. Le temps presse. Retournez aider le général Liu Bang. Le drapeau est tombé tout seul. Ce sont les dieux de la terre qui essayent de nous avertir. C'est un mauvais présage. Quelqu'un essaiera de nous assassiner cette nuit. Le ciel est la demeure des dieux des guerriers, et les dieux des intellectuels habitent dans la terre, ce qui signifie que c'est moi qui intéresse l'assassin. Fan Zheng est bien plus brillant que moi. Si nous pouvons l'éliminer, nous vaincrons Xian Yu facilement. Nous devrions nous concentrer sur le cœur du problème. Je suis très impatient de rencontrer ce Zhang Liang. Informez tous les soldats. Ils ne doivent pas monter la garde cette nuit pour ne pas alerter l'assassin. Je vais rester seul ici, et je vais accueillir le visiteur moi-même. Seigneur, je vous ai préparé des nouilles. Vous n'avez rien mangé de toute la nuit. S'il vous plaît, il faut manger quelque chose. Il est tard. Et l'assassin n'est toujours pas rentré. Il a dû se passer quelque chose. Nous ne savons pas non plus si Han Xin a réussi à sauver le roi Huai. Monseigneur. Vous devez garder à l'esprit qu'il faut penser sur le long terme. Plus Xian Yu prendra l'avantage, plus il sera aveuglé par sa fierté. Et nous devrons profiter de l'occasion pour le pousser à commettre une erreur en premier. Seigneur, un messager de Xian Yu vous demande de vous rendre au banquet immédiatement. Vos troupes doivent rester dans la ville et attendre les ordres. Ziaoui. Seigneur. Nous ignorons quelle sera l'issue de la rencontre. Alors par sécurité, je te confie mon sceau. Si les choses tournent mal, je compte sur toi pour continuer le combat. Seigneur ! Soldats, agenouillez-vous ! Seigneur, Dieu sera toujours à vos côtés. Et je promets
de défendre Xianyang jusqu'à la mort. Je me suiciderai plutôt que de me rendre. Nous n'abandonnerons jamais. 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 Je te remercie infiniment. Je m'appelle Han Xin. Messieurs, tous les participants au banquet de Hongmen doivent déposer leurs armes. Merci de me recevoir. Nos hommages, Seigneur Xiangyu. Comment as-tu pu me trahir? Jamais je n'oserai vous trahir. Le premier arrivé à Xianyang devient roi de Qin. Ce sont les ordres du roi Huai. Nous sommes en guerre depuis de longues années. Qui n'a pas envie de se ranger et de vivre en paix? Si votre majesté n'en convient pas, nous serions très honorés de vous céder Xianyang. Où est le sceau de l'empereur Qin? Où est Yuji? Je sais que vous tenez à elle.
Et c'est pourquoi je la traite avec grand respect. Mes hommes veillent sur elle en ce moment même. Liu Bang, j'ai une question pour toi. Peux-tu me dire à qui appartient le monde d'aujourd'hui ? À vous, bien évidemment. Sais-tu que tu as fait une erreur ? Absolument. Je le sais. Puisque Liu Bang admet son erreur, il doit se plier à la tradition et boire son sang. Vénérer les cieux, la terre et les hommes en repentance. Tout ce que vous voudrez. Bois en votre honneur. Bien, asseyez-vous. Liu Bang, nous parlerons plus tard. Merci, Votre Majesté. Lequel d'entre vous est Zhang Liang? Je suis Zhang Liang. C'est un grand honneur. Je vous en prie, veuillez vous asseoir à présent. Monsieur Zhang a été aux côtés du général Liu afin de l'assister au cours de ces derniers jours. Les troupes sont bien ordonnées, stratégiquement positionnées. Puisque nous partageons la même vision, pourquoi ne pas vous faire part de quelques-unes de mes réflexions? Qin a pris le contrôle de Shu il y a de cela 26 ans. Mais l'ordre naturel est inexorable. Et comme toute chose est cyclique, Qin est à nouveau vaincu par le royaume de Shu. Cependant, il ne faudrait pas commettre l'erreur de négliger le rôle joué par la volonté divine. Alors malgré votre grande sagesse, pourquoi mettez-vous tant d'énergie à agir à l'encontre de la volonté de Dieu? Merci de me faire part de vos réflexions. Comme vous savez, il y a de mauvaises périodes et des périodes meilleures. Parfois nous agissons, et parfois non. Ce qui est bon peut devenir mauvais, et inversement. Les voies du Seigneur sont impénétrables, et la vie ressemble à un jeu d'échecs. Aujourd'hui, dans ce banquet de Hongmen, nos deux camps sont prêts à rétablir de bonnes relations. Il me semble que vous êtes un excellent joueur de Go. Auriez-vous l'obligeance de faire une partie avec moi? Ainsi nous verrons si nous contrôlons notre destin, ou s'il est écrit pour nous. Si vous gagnez, je vous promets d'aller chercher Yuji et de vous faire mes plus plates excuses. Zhang Liang, j'aimerais savoir, croyez-vous vraiment que nous devons nous affronter? Je serais honoré de jouer contre vous. Bien. J'ai perdu la vue il y a 4 ans, et donc pour que la partie soit équitable, vous n'aurez pas d'autre choix que de jouer à l'aveugle. Un jeu de Go peut compter jusqu'à 361 pièces. Un aveugle devrait alors toutes les mémoriser. Impossible. Je rencontre enfin un véritable adversaire. Il serait peut-être plus intéressant de jouer plusieurs parties. L'honneur de placer les pierres sur le plateau doit revenir au plus valeureux des guerriers. Longju, raconte tes exploits à Monsieur Zhang. Il nous dira si tu lui sembles à la hauteur de cette tâche. Je n'ai pas encore réalisé de très grands exploits, mais pendant les 4 années qui viennent de s'écouler, j'ai combattu dans 56 batailles, sans en perdre une seule. De plus, en une seule nuit, j'ai tué et enterré plus de 200 000 hommes.
En 4 ans à servir mon seigneur, j'ai remporté les 42 batailles que j'ai disputées. Et j'ai convaincu 200 000 soldats de déposer les armes. Nous avons conquis Xanyang sans faire couler la moindre goutte de sang. Très bien. Zhang Liang, vous êtes encore un jeune homme. Alors que je suis un vieil homme aveugle. Par conséquent, c'est à moi de jouer le premier coup. Vous êtes l'un des plus grands experts du jeu de Go. Il serait donc logique que je joue en premier. C'est vous qui avez proposé que nous jouions ensemble. Je suis donc votre invité, en quelque sorte. Vous devriez donc me laisser jouer en premier. Aujourd'hui, c'est le seigneur Jiang Yu qui est l'hôte de ce banquet. Monseigneur et moi-même ne sommes que de simples convives. Dans ce cas, nous devrions jouer le premier coup. Celui qui jouera le premier coup possédera un avantage certain. Si je peux me permettre, Longju, peut-être que nous pourrions faire un pari. Par exemple, si vous arrivez à deviner combien de doigts il me reste, vous commencez. Cela vous convient ? Je dis 10. Vous avez perdu, Fan Kuai. Il est fou. Liu Bang, nos hommes sont en train de s'affronter pour nous. Peut-être devrions-nous prendre des paris. Bien que je ne sache pas qui l'a envoyé, cet homme a tenté d'assassiner Fan Zheng, mon conseiller. Puisque nous sommes réunis dans la province de Qin, pourquoi ne pas parier avec les 5 châtiments de Qin? Je vous rappelle en quoi consistent ces 5 châtiments. 1, on lacère le visage. 2, on coupe les oreilles. 3, les doigts. 4, la tête. Et 5, on découpe tout ce qui reste en petits morceaux. À chaque partie que Zhang Liang perdra, nous exécuterons un de ces châtiments. Aujourd'hui, le monde est en proie au chaos, et le peuple mène une vie de misère. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre. Pour la première partie, je joue en 4-4. Puisque jouer la sécurité n'est pas une option, pour la deuxième partie, je joue en 4-16. Puis pour la troisième, 5-3. Quatrième partie, je vais jouer en 6-5. Ce n'est peut-être pas son destin, mais j'espère qu'un jour le monde pourra enfin connaître la paix. Pour la dernière partie, je joue en 8-4. C'est vrai. La mort et la guerre ne pourront jamais être évitées. Elles vont de pair avec le chaos qui règne dans ce monde. Pour la première partie, je vais jouer en 4-3. Si nous aimons notre peuple, nous nous devons d'attaquer. Pour la deuxième partie, je joue donc en 4-4. La guerre est aussi un bon moyen d'en finir avec la guerre. 4-3 dans la troisième. Laissez-moi réfléchir pour la quatrième partie. Je vais jouer en 4-5. De plus, personne ne peut dire qu'il aime faire la guerre. Nous utilisons la guerre pour obliger le peuple à obéir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous en convaincre. La cinquième sera comme la quatrième. Je joue en 4-5. Son jeu est très complexe. Zhang Liang utilise une stratégie extrêmement agressive. J'ai brouillé les cartes dans les 4 premières parties. Il s'en est tout de suite rendu compte. Il me reste encore à découvrir comment il compte jouer la 5e partie. J'espère que Han Xin ne va pas tarder. Une fois que je le saurai, je gagnerai facilement. À présent, je vais jouer en 5-6. 2-2. Ensuite, 8-3. Zhang Liang est en train d'essayer de gagner du temps.
Je joue en 4-3. Je joue en 8-4. 7-2. Maintenant, 17-1. 1-3. Dans la deuxième partie. Une armée s'appuie sur sa puissance et non sur son endurance. Je joue en 8-4 et je gagne. Pour commander des troupes, il faut être aussi rapide et destructeur que le feu. Pour gagner la seconde partie, je vais jouer en 8-10. Prochain coup en 8-8. Zhang Zhuang, je vais exécuter une danse au sabre pour animer un peu ce banquet. Laisse-moi danser avec toi, c'est plus intéressant à tous. 3-4. Tiens-toi, tu as beaucoup progressé. Va-t'en. Je viens également de remporter la troisième partie avec un coup en 9-4. Et vous êtes aussi battu dans la quatrième partie. Comme je l'ai toujours dit, sur un champ de bataille, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Dieu ne nous a pas rassemblés pour rien. Nous ne pouvons pas survivre tous les deux. Liu Bang, tout cela est uniquement ta faute. Seigneur ! Arrêtez ! J'ai un décret du roi Huai. Il ordonne d'épargner Liu Bang, mais il doit quitter la ville et retourner à Hangzhong.
Sa Majesté a invité les 8 vassaux à Xianyang en l'honneur de Xiang Yu, le nouveau dirigeant de Xianyang. Yafo. Zhang Liang a ordonné le meurtre de mon conseiller. Maintenant, c'est moi qui t'ordonne de tuer le tien. Pour que justice soit faite. Ensuite, je te laisserai partir. Je ne peux pas faire ça. Tu dois m'obéir à présent. Jiang Zhuang, à vos ordres. Seigneur, je vous en prie, ne faites pas ça! Maintenant. Seigneur. Vous n'avez pas à obéir. Vous êtes sur le point de faire une très grave erreur. N'importe quoi pour sauver ta peau. Seigneur, nous n'avons plus de conseiller. Qu'allons-nous faire ? Zhang Liang a dit que si nous voulions gagner, nous devions pousser Xiang Yu à la faute. Mais je croyais que Xiang Yu nous avait déjà vaincus. La partie n'est pas encore perdue. Le vrai banquet ne fait seulement que commencer. Sais-tu pourquoi ? Liu Bang t'a gardé avec lui. Il se servait de toi pour pouvoir négocier avec moi. J'ai toujours choisi de lui faire confiance. Exactement comme je vous ai fait confiance. Le jour de notre rencontre. Même s'il vous a désobéi, Liu Bang m'a tout de même rendu mon luth. D'ailleurs, je me disais que je pourrais à nouveau chanter pour vous. Si vous me faites toujours confiance.
Zhang Yu. Les blessures de Monsieur Zhang sont à peine guéries. Êtes-vous sûr de vouloir le laisser participer à cette réunion? C'est peut-être encore un peu tôt. Si vous le désirez, je peux vous laisser. Non, restez. Monsieur Zhang a choisi de se ranger du bon côté. Je vous remercie d'être ici avec nous. La guerre est finie, et cette victoire sur Liu Bang vous a ouvert les portes du palais de Qin. C'est une occasion en or qu'il ne faut pas rater. Vous devriez prendre le contrôle de tout le pays. Qu'attendez-vous? Laissons les choses se tasser. Nous ne pouvons pas encore prétendre au trône. De plus, les 8 vassaux refuseraient d'obéir. Nous devons prendre notre temps. Il faut savoir attendre le moment opportun pour agir. Mais si les vassaux refusent d'obéir, nous devrions envoyer l'armée pour les attaquer. À présent, Liu Bang dirige Hansong. Nous ne connaissons pas encore ses intentions. Imaginez qu'il nous attaque par surprise pendant que notre armée est ailleurs. Nous ne pourrons pas nous battre sur tous les fronts. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ce risque. L'armée de Xian Yu est puissante. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Puisque vous avez l'air de savoir tant de choses, pourriez-vous nous expliquer comment il faut s'y prendre pour conquérir le monde sans aucune aide? Pourquoi nous faites-vous part d'un plan aussi incomplet? J'ai un plan, en effet. Maintenant que Liu Bang a été obligé de reconnaître votre autorité, vous pouvez lui donner l'ordre d'attaquer les vassaux, pour qu'ensuite il vous aide à tuer Liu Bang et à devenir empereur. Alors, Monsieur Fan Zheng, pensez-vous toujours que mon plan est incomplet? Nous souhaitons la bienvenue aux messagers de Shu. Si Xiang Yu nous demande d'envoyer notre armée, nous ne pouvons pas désobéir. Diao Wei, vous comprenez que ma présence ici est un peu inconfortable. Restez aussi longtemps que vous le désirez. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Servez le festin. À vos ordres. Notre invité est envoyé par le seigneur Xian Yu. Montrez-lui le respect qu'il mérite. Oui, général. Servez. Fan Kuai, mais pourquoi es-tu en train de servir nos meilleurs plats? C'est Xian Yu qui l'envoie. Il faut bien le recevoir. S'il était envoyé par le conseiller Fan Zheng, je comprendrais. Il est venu en aide à notre seigneur à maintes reprises. Et il lui en est vraiment reconnaissant. Nous ne gâcherons pas nos meilleurs plats pour un messager de Xian Yu. Renvoie-les en cuisine. Nous ne pouvons pas faire entièrement confiance au messager. Zhang Liang, quelle conclusion en tirez-vous? Nous devrions mettre Fan Zheng à l'épreuve. Nous devons en avoir le cœur net. Yafu, nous avons appris que Liu Bang venait de commencer à reconstituer son armée. Je pense qu'il faudrait attaquer par précaution, pour éviter des problèmes à l'avenir. Il ne faut pas oublier que Liu Bang est protégé par le roi Huai. Nous ne pouvons pas tuer Liu Bang si nous n'avons pas de raison valable. Le roi aussi est un problème. Pourquoi
Ne pas d'abord le tuer, lui. Tuer le roi Ehai? Pourtant, c'est bien ce que vous disiez pendant le banquet de Hongman. Xiang Yu, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Plus du tout. Dites-moi. Cela signifie-t-il que votre loyauté envers ma famille n'est plus ce qu'elle était? Seigneur, vous n'avez pas à obéir. Vous êtes sur le point de faire une très grave erreur. Seigneur Xiang Yu veut vous voir. Seigneur. Vous et votre famille m'avez traité avec beaucoup de respect pendant toutes ces années et m'avez toujours écouté. Un simple conseiller comme moi ne peut rien demander de plus. Si vous avez accepté de me recevoir aujourd'hui, c'est parce que notre relation est encore importante à vos yeux. Le fait de savoir cela est suffisant et je peux partir l'esprit tranquille. Malheureusement, voici la preuve que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais avant de m'en aller, permettez-moi de vous remettre ceci. Ce sont mes derniers conseils. Et si à l'avenir, vous pensez à moi, ou si vous êtes en mauvaise posture, vous pourrez toujours les consulter. Yafu!
Monsieur ? Zhang Liang, c'est bien vous. Je savais bien qu'un jour vous viendriez me voir. J'avais peur qu'il soit trop tard. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Veuillez m'excuser. Pour ce que j'ai fait. Cette fois, je suis allé trop loin. Ne dites pas ça, Zhang Liang. C'était un coup brillant. Alors, ne vous excusez pas. La première fois que je vous ai rencontré au banquet de Hongmen, j'ai tout de suite su que vous n'étiez pas comme les autres. Il y a une chose que je peux vous dire maintenant. Vous êtes exactement comme moi quand j'étais jeune. N'ayez pas pitié de moi. Toute ma vie, j'ai espéré que je rencontrerai un jour un adversaire comme vous. Les vrais ennemis sont aussi inséparables que les deux faces d'une pièce. Le lien qui unit Jiang Yu et Liu Bang est fort. Mais c'est aussi le cas pour vous et moi, Zhang Liang. Je vous en prie, il n'y a plus de temps à perdre. Si vous voulez rendre un vieil homme heureux, il me semble bien que nous avons une cinquième partie à terminer. Monsieur, ça ne va pas ? Monsieur. Zhang Liang, la vie est un jeu où aucun des deux camps ne gagne. Avec tout le respect que je lui dois, je me permets de préciser au général Xian Yu qu'avant de maîtriser l'art de la guerre, il doit apprendre à reconnaître les qualités des gens qui l'entourent. Le conseiller Fan Zheng a servi la famille Xiang pendant 3 générations. Mais vous vous êtes débarrassé de lui comme d'un misérable chien, ce qui est fort regrettable. Comme les oiseaux qui choisissent le plus bel arbre pour se poser, je retourne servir Liu Bang. J'espère qu'à l'avenir, vous saurez prendre des décisions avisées, au risque de finir vos jours seul. Préparez les chevaux. Nous partons maintenant. Attendez. Seigneur, même si Liu Bang a maintenant Zhang Liang à ses côtés, il ne représente aucune menace si nous n'agissons pas trop vite. Xianbo, tu as de louables intentions. Mais si je n'élimine pas Liu Bang aujourd'hui, je sais qu'il me tuera un jour ou l'autre. C'est ce que j'avais prévu de faire. Au banquet de Hongmen. Au bout du compte, ce sera lui ou moi. Le roi Huai nous en empêchera. Qu'allons-nous faire ? Général Han. Seigneur. Xiang Yu a tué le roi Huai. Le peuple le déteste. Les 8 vassaux sont d'accord pour m'aider à le mettre hors d'état de nuire. Combien de soldats pouvez-vous diriger ? Moins de 100 000. Vous ne pourrez pas contrôler l'armée des vassaux. Le pouvez-vous ? Pour moi, le nombre d'hommes n'est qu'un détail. Mais une fois ma mission accomplie,
J'espère que vous ne m'oublierez pas. J'ai sous-estimé Liu Bang. Je sais que je ne peux pas vous empêcher de vous battre. Mais je serai à vos côtés pendant cette guerre.
Où sommes-nous arrivés? C'est la rivière Hu. Et là, c'est la ville de Hu. Xiangbo? Madame. Liu Bang m'a fait parvenir ses ordres. Lui et ses alliés vont passer à l'attaque demain. Il m'a demandé de tout faire pour ne pas en arriver là. Vous vous rendez à Liu Bang? J'aimerais que Xiang Yu et Liu Bang s'entendent à nouveau. Malheureusement, il n'y a absolument rien que je puisse faire maintenant. Ça n'a plus aucun sens de continuer à se battre. La victoire et la défaite sont un état d'esprit. Liu Ji, vous seul pouvez persuader Xiang Yu de partir. Je suis vraiment désolé que nous ne puissions pas nous tenir par la main plus souvent, comme nous le faisons maintenant. Il n'est jamais trop tard. Yuji. J'ai bien peur que tout soit bientôt terminé. Regarde ce paysage. Demain, il y aura là des soldats à perte de vue. J'ai demandé à Xiangbo de t'emmener en lieu sûr, loin d'ici. Où personne ne te trouvera. Pas même moi. Vous m'aviez pourtant promis que je pourrais rester près de vous. Préparez-vous à combattre! Thank you.
Cette chanson va casser le moral de l'armée de Xian Yu. Et si tout se passe comme je l'ai prévu, nous pourrons gagner la bataille sans faire couler la moindre goutte de sang. Qu'est-ce que tu fais? Je veux rentrer chez moi. Tu ne peux pas partir. Tu dois continuer à servir Xiangyu. Xiangyu a besoin de nous maintenant, plus que jamais. Tu n'as pas le droit. Je veux rentrer chez moi! Si c'est ce que vous voulez, allez-y! Rentrez chez vous! Ceux qui désertent seront exécutés sur place! Compris? Vous me servez depuis de longues années. Je suis votre seigneur. Mais je vous considère comme des frères. Aujourd'hui, nos ennemis nous encerclent. Mais vous ne me devez rien. C'est moi qui vous dois tant. Alors je vous en prie. Gardez à l'esprit que vous serez toujours mes frères. Il est temps de rentrer chez vous. Au revoir. Et merci pour tout. Yafou, vous êtes à mes côtés depuis toujours. Vous m'aidez à surmonter mes épreuves et à prendre les bonnes décisions. Il est peut-être temps que je prenne ma retraite pour vous laisser voler de vos propres ailes. Je veux qu'on me laisse seul. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Un beau rêve. J'ai rêvé d'un couple aux cheveux blancs assis tranquillement. Je me suis approchée d'eux pour savoir qui ils étaient et je me suis rendu compte que je les connaissais. C'était nous deux. Je veux passer le reste de ma vie avec vous. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. C'est comme quand nous nous sommes rencontrés. Je ne voulais pas qu'il vous fasse de mal. Oh!
Liu Bang va essayer de nous persuader de nous rendre. Attendons qu'il se relâche pour pouvoir lancer l'attaque. Xiang Yu, j'ai attendu très longtemps pour pouvoir te parler. Je dois avouer que tu avais raison. Seul l'un d'entre nous pourra survivre. Et maintenant, nous savons que ce sera moi. C'est certain. À présent, le pays et le peuple m'appartiennent. Xiang Yu, nous étions frères d'armes. Si tu reconnais ta défaite, je pense que je te laisserai la vie sauve. Donnez-moi votre épée. Je vous en prie, je dois le tuer moi-même. Pour qu'il repose en paix. Nous ne serons plus jamais loin l'un de l'autre.
me ferez-vous l'honneur d'être mienne. Seigneur, nous venons de retrouver cette lettre. Persuader Hamzin de revenir dans votre camp. En espérant que vous puissiez résister quelque temps, Hamzin arrivera bientôt avec des renforts qui pourront faire tourner la situation à votre avantage. Une fois la bataille gagnée, j'ai promis à Hamzin, Zhang Liang et les autres que le pouvoir et les richesses seraient partagés. Je reste en attente de vos ordres et j'espère que vous suivrez mon conseil. Xiang Yu, je n'ai pas le choix. Félicitations au général Hang Xin pour sa promotion. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Ôtez-vous de mon chemin. Je suis sûr que vous n'êtes même pas de vrais soldats. Arrêtez. Seigneur, je vous... Je sais bien ce que tu veux me dire. Mais il voulait me voir mort. Si je n'avais rien fait, c'est eux qui m'auraient tué. Je n'avais pas le choix. Peu importe. Je tenais à vous parler.
Je ne vous vois plus souvent. Mais je sais que quelque chose ne va pas. Et je m'inquiète pour vous. Et c'est pour ça que je suis là. Quand j'ai tout quitté pour me battre pour vous, je vous avais dit que je croirais tout ce que vous me diriez. Je sais très bien que je ne suis pas un intellectuel. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui... remet vraiment en cause la foi que j'avais en vous. Je suis l'empereur maintenant. Je peux t'offrir absolument tout ce que tu désires. Vous ne venez d'un empereur que ces habits que vous portez. Alors enlevez-les. Arrêtez. C'est ça que je veux. J'avais promis de vous aider jusqu'au bout. Ça veut dire que maintenant, vous n'avez plus besoin de moi. Vous n'avez plus besoin de moi. Vous nous aviez promis que nous pourrions trinquer à la victoire. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Seigneur, je vous remets... Non, Van Gogh ! Ma démission ! Monsieur, il y a une chose qui m'échappe. Qui êtes-vous exactement ? Je ne suis qu'un simple amateur du jeu de Go. Il y a bien longtemps, j'avais un ami très proche. Il m'avait demandé d'affronter un des maîtres de ce jeu. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en réalité, mon adversaire était mon ami. Je ne veux plus voir de médecin. Je pensais que vous étiez mort. Non, je suis bien vivant. Et je voulais vous voir. J'avais besoin de vous poser une question. En êtes-vous arrivé là où vous espériez ? Pendant toutes ces années, j'ai eu peur à chaque seconde. Je ne fais plus confiance à personne. Je crois qu'ils veulent tous me tuer. Et que ma nourriture est empoisonnée, j'en suis presque sûr. Votre Majesté, vous devez nous dire qui prendra votre succession à votre mort. Je me souviens d'une question de Yuji. Savez-vous ce que vous risquez en allant à ce banquet ? Je savais qu'en allant au banquet de Hangmen, je devrais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour piéger le camp adverse. Ma décision est prise. Pendant ce banquet, j'ai perdu la capacité de faire confiance à qui que ce soit. Dans le palais de Hongmen, j'ai fait faire des tablettes funéraires où aucun nom n'est inscrit pour tous ceux qui sont morts à cause de moi. Aujourd'hui,
Je suis complètement seul. Zhang Liang. J'aurai un dernier service à vous demander. Souvenez-vous que notre destin n'est pas entre nos mains. Alors il est inutile d'espérer lutter. On ne peut pas toujours tout anticiper. Mais il ne faut jamais oublier où se situent le bien et le mal. Il y a encore une chose que je dois faire pour Yuji. Yuji! Seigneur! Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je peux enfin dire que le banquet de Hongmen est terminé. Je n'ai plus rien à faire ici. Il est temps que je parte. Monsieur, où allez-vous? Je dois chercher un autre maître du jeu de Go. Essayer de trouver un moyen pour que tout le monde gagne. Zhang Liang. J'aimerais savoir, croyez-vous vraiment que nous devons nous affronter?只能细算，却不能够预料。请
梦之间，飞越进入河那年，赢了一切的最寂寞，失去对手却失落，曾经前最顽强的语言，另一种江流，一念铸成的千古愁，转眼我遗落，看得见的是虚荣，看不见的是心痛，恍然一眼整整去一走，是动情一刻，最牵挂的回过头还是得不到那一份温柔，相知是一场失语的交换。